une cérémonie ce samedi 26 mars 2022 au siège provincial du MLC Kasaï-Oriental. Il s'agit de la matinée politique couplée à l'investiture du comité fédéral du MLC Kasaï-Oriental. Dans sa communication devant les militants et militants du MLC Kasaï-Oriental, Pascal Gauthier-Loukoussa a donné les informations relatives à la marche de la nation. Il a demandé à la population de faire le suivi des projets présidentiels au Kasaï-Oriental, notamment le projet local de développement de 145 territoires. Nous disons que vous l'avez là, nous ne boutons pas en bas. Vous allez bien et bon. Nous disons que vous l'avez là. Moumounia, Vula, Massika, Wamouana, Mouen MLC, vous n'êtes pas tout à l'équipe. Manda, Massimana, Jessica, Mouabé, quand tu es tout à l'équipe, tu es tout à l'équipe. L'aile, le projet de 145 territoires. Où tu dis que MLC, Jean-Pierre Bemba, tout soutenir. Projet Bambi, développement à la source. Bilamba, Babiel, Wamouya, Kunga, Dajik, nous sommes. Loukoussa Moukendi Pascal Gauthier a mis en garde les mauvaises langues contre la santé du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, le président fédéral a procédé à la présentation à l'installation de membres du comité fédéral du MLC et des inspecteurs communaux et territoriaux. Le président fédéral du mouvement de libération du Congo MLC Fédération Kasaï-Orientale, vu le statut du mouvement de libération du Congo, spécialement les articles 50, 51, 52 et 66, vu son règlement intérieur, vu la décision numéro 004/PN/MLC/2020, complétant la décision numéro 003/PN/MLC du 26 février 2020, portant désignation de président fédéraux du mouvement de libération du Congo et de redynamiser ses activités, premier vice-président en charge de l'administration et finance, maître Ben Nyama Bumbui. Pascal Gauthier Loukoussa a donné de sages conseils à ses collaborateurs en les souhaitant un fructueux mandat à la tête du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo dans la représentation du Kasaï Oriental. Sur toute l'étendue de la province du Kasaï Oriental, notre président national et toute la population du Kasaï Oriental vous soit très reconnaissant. L'avenir de ce parti désormais est sur vos épaules. Les changements tant entendus dans cette province passent et passera par vous au travers du travail que vous allez faire. L'un des heureux promus, l'ingénieur Platini Bindanda, n'a pas caché sa joie. Nous sommes toujours derrière MLC. Nous ne cesserons d'accompagner le MLC vis-à-vis de sa vision politique. Nous resterons là ensemble pour faire une force puissante auquel demain qui va chercher des solutions à ce pays. Nous demandons à tout le monde qui a besoin de nous rejoindre de ne pas hésiter, qu'ils viennent vers nous et ensemble nous bâtirons le coup. Retenez que ce comité fédéral du MLC est composé de 14 membres, dont 6 femmes.